Salut à tous, c'est Lumière, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un skill test, voilà, vous avez compris, un skill test, et c'est parti, let's go, 3, 2, 1, go, ok, donc on est parti, alors, on va essayer de faire un perfect, donc c'est-à-dire c'est quoi perfect, c'est ne pas tomber du tout pendant le parcours, genre pas faire n'importe quoi. La salle avait fait un perfect la semaine là, il y a quelques jours de ça. Et du coup, c'est vrai qu'il avait forcé quand même hein. Il avait vraiment 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 forcé à mort. Mais il a réussi à le faire. Alors que là, honnêtement, pour le moment, moi je suis pas mal. Je suis allé, je suis steady, je suis mêlé, je suis fairy. Et disons qu'il faut pas avoir peur du chien. Parce que si le chien vient à vous, ok, il y a un ralentisseur. Alors, oula, par contre là le trou il était plutôt gros là. Ok, ça passe pour l'instant. Pour l'instant rien de compliqué. Mais c'est vrai que parfois dans ce parcours là, des fois tu sais pas trop quoi faire. Il y a des... Ok, c'est bon. Il y a des trous, il y a des trucs cachés. En tout cas on est parti. Alors là, il va y avoir du truc fin et des obstacles. Bon, ça on est habitué. Juste pas faire n'importe quoi. Ok. Easy, easy. Pour l'instant, easy. Bon, faut pas qu'on tombe, les gars. Perfect. On est bon. Dans les commentaires, n'hésitez pas à être un petit like, à me dire si vous pensez que je vais réussir ce perfect. Je rappelle qu'un perfect, c'est ne pas tomber du parcours du tout. Et là, c'est un parcours, mi-course. Et on est sur un petit niveau pas forcément non plus hard. Ok. Je peux me permettre d'accélérer. Alors, je peux prendre mon temps, hein, mais je vais quand même accélérer un peu. Vous vous souvenez de la salle quand il a fait le wall ride là? Bon, je l'ai fait aussi, mais je suis tombé une fois. Ok. Ok, c'est bon. Là, on est pas mal. Il y a les petites bosses. Par contre, c'est vrai que les bosses là. Bon, ça va avec la panto, ça va, mais des fois, quand vous êtes en super sportif, moi je bombarde. Ok, alors par contre là, faut aller là? Non, faut pas aller là. Ah, faut revenir en arrière, ok. D'accord, vous voyez, là par exemple, j'ai failli sauter à droite alors qu'il fallait partir tout simplement en arrière. Tel un petit singe qui vole. Mais si vous pouvez pas le faire, bah c'est compliqué quoi. Ok, là faut respawn les gars. Bon, du coup, je suis pas tombé hein. Il faut vraiment respawn pour avoir le point en haut. Non, bah non, faut pas respawn. Faut faire quoi là? Attends, je comprends pas. Faut revenir en arrière? Ah non, faut faire ça, ok, d'accord, j'avais pas compris les gars. D'accord, faut faire ça, ok. Ok, je pensais qu'il fallait respawn et prendre le point, mais non, en fait, du tout. Fallait juste faire ça. Ok, donc on n'est pas tombé, hein. Je rappelle qu'on est en perfect, j'ai respawn, hein. Je suis pas tombé, attention. Faut pas confondre les deux, hein. Ok, pour l'instant ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien, ce parcours est plutôt d'un niveau, ouais, qu'il faut aller là-bas je pense. Ah oui là par contre, là il y a de la méga rampe, là ça va y aller, là ça va pumper, là tel un singe, pas mal quoi à faire, sous on peut faire des tapages de gorge pendant qu'on fait le parcours. Ok. Ok, je suis pas mal. Wow, par contre c'est vraiment 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 chaud. Ok. Je commence à être bien là. Franchement je commence à être bien. Par contre faut pas que je fasse nimble. Là je commence à... What the fuck. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Ouais si c'est bon, c'est ça. Par contre il est magnifique le parcours. Honnêtement, le parcours est plutôt stylé hein. J'aime bien. On est à 4 minutes 07. 4 minutes 07 généralement dans ce genre de parcours. Oula, attendez. L3 pour activer le saut. R1. Ouais, parce que. Vu que j'ai modifié. Alors je pense qu'il va falloir sauter. Je vais voir en haut, mais. Il y a moyen. Il y a moyen. Oula. Ok, c'est bon. Je pensais qu'il fallait sauter au bout. Donc là en fait t'as juste à faire ça. Par contre vous m'enverrez de votre temps dans les commentaires parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
J'aime bien demander leur temps à chaque fois. Ok, là ça va, ça passe. Faut faire quoi là? Sauter là? Je pense que c'est ce qu'il faut faire, je sais pas. Où est-ce qu'il est le pont là? Je sais pas si c'est ça, mais il y a moyen. Ouais, si c'est ça, je crois, les gars. Ok, j'ai flippé. Je pensais que ça allait pas être ça, mais en fait, si c'est ça. Ok, j'ai eu le point, les gars. Ah, par contre, peut-être fallait sauter d'un autre endroit, je pense. Je pense qu'il fallait sauter d'un autre endroit parce que là, j'ai sauté d'ici. En tout cas, pour l'instant. On n'est pas tombé. Et ça se passe plutôt bien. On est en 1h20. On a combien sur combien? On a 22 sur 36 minutes. Ok, il y a moyen. Il y a moyen de faire un bon perfect, les gars. Il y a moyen de faire quelque chose. Faut pas que je fasse là. Bon, là, on va changer de véhicule par contre. Non, en fait, je pensais qu'il fallait sauter. Mais vous voyez, des fois, on voit pas du tout. Tellement c'est fin, je voyais pas du tout. Alors, on est en quoi là? Oh, on récupère la popo du coup. Ok. Là, on va arriver sur un parcours. Alors, j'ai vu qu'il y avait un parcours qui tournait pas mal. Ah, bah, je crois que c'est là. Ok, là, par contre. Là, par contre. Faut pas que je fasse l'imp. Parce que je pense que ça va être le plus compliqué du parcours. C'est un peu en zigzag. Ok, c'est bon. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ici, faut pas stresser, les gars. Alors, on voit que le véhicule tombe un peu. Mais bon, la Panto, elle a une très très bonne accélération. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de tourner. Il faut vraiment pas avoir peur de d'aller dans le vide. Ne pas avoir peur aussi. Il faut vraiment toujours garder une accélération. Il faut jamais s'arrêter. Parce que si vous vous arrêtez, bah, le véhicule va démarrer, quoi. Enfin, c'est-à-dire il va faire ce qu'il a à faire au démarrage. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, là, je suis pas arrêté. Je suis jamais arrêté. Là, je pense que par contre, on peut se permettre de freiner. Pourquoi? Parce qu'on est sur une descente. Donc, du coup, sur une descente, regardez, je peux freiner. Vous voyez? Et là, par contre, si je freine et je vais vers le haut, c'est un peu plus compliqué. Parce que je dois réaccélérer derrière. Et le véhicule, des fois, il peut tomber vers le bas. Il peut être attiré par la gravité. Vous voyez, là, faut pas. Voilà, par exemple, là, si j'aurais freiné, je ne sais pas si j'aurais pu passer. Je pense que oui. Tu vois, si tu recules un peu, je pense que oui. Et du coup, on passe tranquille, les gars. Alors. Ok, pour l'instant, c'est un 100% perfect. Hein. On n'est pas tombé, on n'a pas respawn. Regardez, il n'a même pas besoin. On a freiné avant. Il a mis ça pour bloquer le véhicule. Et du coup, c'est passé nickel. Par contre, faut pas que mon véhicule bug ou quoi. Oula. Ok, bon, des sauts plutôt simples en 1h20. On a connu pire avec la salle, croyez-moi. Et je vois quel point final. Je suis sûr que je peux sauter jusqu'au bout là-bas. Eh bien, je crois que les gars, ça va être imperfect. Hein. Il ne me reste plus qu'un point. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, je le vois en bas là. Je fais comme ça pour aller un peu plus vers l'avant. Eh ben écoutez, les gars, je crois que ça va être imperfect. On va faire 9, 9,50, je pense. Bah, peut-être un petit peu moins. 9,40, peut-être. Non, 9,50, je pense. Ouais, non, peut-être un petit peu moins en fait. On va atterrir parfaitement au milieu du point, les gars. Regardez-moi ça. Parfait au milieu, regardez. Au milieu, au milieu, au milieu. Et on est au milieu. Ok!
Easy, busy, 100% perfect. Là, on peut le dire, les gars. Là, vous pouvez même dire dans les commentaires, ouais, c'est pas toi qui as joué, tout, c'est moi qui ai joué, les gars. J'aurais pu le faire une main. J'aurais pu le faire une main. En tout cas, pour le prochain, je vais essayer de faire un truc, c'est-à-dire que faire une main avec la salle. On va se faire un défi. Faire, parce qu'il y en a encore d'autres, hein, des consoles. Là, on a fait la 4, du coup, on fera la 5e à une main. Voilà, sur ce.